R. Alors. Oui, j'avais prévu de faire 2-3 trucs hors stream sur le jeu, j'ai absolument pas eu le temps. Art, t'as ton armure de plate. Enfin, t'as ton armure lourde. Ce qui donne 50 de protection et 18 d'évasion pour le moment. C'est pas trop mal. Pour te donner une idée, notre deuxième perso le plus protégé, c'est Acta avec 31 de protection et 48 d'évasion. Et mes poils se coincent dans les joints. Ah non, parce qu'on a mis on a mis du beurre. On a écrasé quelques escargots, ce genre de choses. C'est ok, c'est lubrifié. Je suppose que c'est approprié. Ouh, 122 de dégâts. Ils sont increvables par contre ces trucs. Ok, allez, peut-être que ce coup-ci on est bon. Allô? Dinosaure? Ça a l'air d'aller. Ouais, du coup j'ai pu trouver un Hetzer, et bon, vu que t'es suisse, je me suis dit que ce serait approprié. Les stats ont l'air craquées sur le jeu aussi. La portée pas ouf, mais la protection très très bonne. Ah. Oh. Protection plus 3, force plus 2, puissance d'attaque plus 6 quand non armée. Dans tous les cas, ça reste très très bien et ce serait très adapté pour Acta, je pense. Et une bombe de feu, une bombe de foudre. Ouais, voilà, c'est après la guerre, t'as persuadé ton gouvernement d'eux, et puis basta, basta. Ok, alors qu'est-ce qu'on a ici? Rien qui ne s'ouvre par là. Et on a des trappes. Ah, bon sang. Wow! Ensuite,
Qu'est-ce que t'es lent à attaquer par contre? Oh. On est en merde. Ok, pouf. Je sais pas si c'est bien le dernier ou pas. Ce que je disais la dernière fois, c'est que je me demande s'il n'y a pas un spawner de ces conneries. Il y en a un. Il doit y en avoir un. Alors, ça nous serait quoi? Faudrait que je serre le plus à gauche possible. Par contre, on a masse, ça nous donne masse d'expérience. Mais on va manquer de potions. Faire un petit somme nous permettra d'économiser. Ils ont ouvert toutes les portes et ont mis les pièges en action, c'est ça? Ok, ça c'est bon. Ça c'est bon aussi. Serait simple pour eux de nous arrêter. Pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas? Est-ce qu'on est en train de marcher dans un autre de leurs pièges? Sois prudent. Et vois au prochain sommeil. C'est bon. Fuck sake. Ah oui, attends, c'est quoi, c'est celui-là le poison, je crois. Oui. C'est vrai qu'on a ça, maintenant. Deuxième qui arrive. Rond 7 seulement. Ouais, ça fait plus rien, je suppose. Allez, on reste à gauche. Tu vois, on entend un mécanisme fonctionner et je pense que c'est un spawner ou quelque chose du genre.
Comment on fait les flèches de feu? Donnez-moi 2 minutes que je retrouve le carnet. Celui-là. Boule de feu, gna gna gna, poison. Ah, je l'ai pas marqué là-dedans. Ok, cool! Et alors, t'as faim maintenant, mange un steak de... Oh. Au moins, ça nous file pas mal de nourriture. Choc, fireball, invisibilité, poison shield, poison cloud, darkness... Ah, c'est Acta qui l'a, le parchemin. Ok. Ah. Ah, super. Je suis pas sûr que je suis censé être là. Speed. Ok, tu vas gagner un niveau. Représente, ouais, quand même. Je déteste ce jeu. Ouais. Ah oui.
On est arrivé à un tel niveau de bullshit. Tiens, 50 ennemis, hop là, démerde-toi. Bon, après, à leur défense, il y a un couloir enchanté qui te dit clairement que tu dois pas être là, et il y a même des panneaux. Donc ça fait franchement zone optionnelle. Mais une zone optionnelle, c'est une zone obligatoire, appelée autrement, c'est tout. Ce serait bien de pouvoir automatiser cette création de potions. À Minotaur, ça sait pas lire. Ouais, je suis presque sûr qu'il y a au moins un ou deux membres de l'équipe qui savent lire. Je me renseignerai un petit peu sur le 2, mais bon, même si maintenant que t'as pas mal d'armure, ça va mieux. Je pense quand même que l'esquive est la meilleure armure du jeu. Ce qui est dommage parce que j'aime bien l'idée d'avoir des persos en armure lourde. Oh! Oh, c'est ce passage. Ok, ce passage, je m'en souviens. Comment ça marche déjà? Tu l'as vu, Art? T'as vu ce qui s'est passé ou pas? Est-ce que j'ai mis... Voilà. Alors, on a un couloir de 2 sur... Enfin, de 2 de large. Ok. Est-ce qu'on a encore des cailloux? On a encore un caillou. Ici, ça a l'air d'aller. Ici, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Ça aussi, je suis sûr que c'est un test qui marche pas, ça, pour le coup. Ah, si, ça marche. Alors, donc on disait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, pour ceux qui n'ont pas réalisé, c'est encore un couloir avec des téléporteurs. Donc là, ce que je fais, c'est que je place un caillou devant moi. Je suis pas sûr d'avoir bien compté ici. Pour voir quand est-ce qu'il est...
Téléporter. Hop là. Eh, intéressant. Oh! Donc tous ne vont pas au même endroit. Ok, on va redessiner ça. D'abord ça comme ça, puis ça. Donc ça marche, pas de problème. Donc là on tourne là. Tac. Tac. Pas ici. Tac. Intéressant. Est-ce qu'on a fait demi-tour à nouveau? Non, on n'a pas fait demi-tour à nouveau. Comment elle s'appelle déjà? C'est vraiment vraiment cool. On va utiliser nos couteaux. Merde. Quelqu'un qui a lâché les deux couteaux. Aller là comme ça. Je suis pas sûr de saisir. Ou alors que je me souviens de ça différemment. Ou alors il faut que j'aille en marche arrière. Il dit quoi le texte? Que c'est The Pillared Hallway. Hallway.
sais plus, mais honnêtement, après avoir affronté les dinosaures, j'apprécie beaucoup. Il manquerait plus qu'un dino avec toi dans le couloir. L'horreur. Ou alors on peut pas passer pour le moment. Ce qui a l'air d'être le cas. J'ai pas de... Si, j'ai une bombe de glace. Décrochée sur les murs. Ouais, mais... alors attends, tu parles de ça? Ça, c'est juste... Normalement, c'est juste du décor. Poser la lance. Ouais, si tu veux. Tada. Tout ce que ça te garantit, c'est qu'il n'y a pas de passage secret. De mémoire, ces murs-là sont un peu spéciaux dans l'éditeur. Et ces murs-là, tu fais tout ce que tu veux avec. Par contre, il est bien possible qu'on doive faire quelque chose dans cette pièce. Sanctuaire extérieur. Avant de pouvoir faire autre chose. Parmi la lumière, le bouclier, ça doit être ça, c'est ça. Qui est mort? Le mage. Eh hey Panda, tu vas bien? T'as pas trouvé de bouquin ou de parchemin gratis? Non, pas... Normalement pas sur celui-là. Tu vois que c'est compliqué? Ouais, un petit peu. Juste un poil.
aller trouver ça. Alors je crois pas que ce soit pour cette énigme parce qu'on l'a récupéré il y a un moment. Mais bon, c'est pas grave. Non, c'est pas ça. Tu vois, les deux, on a ça et ça, ça, il faut qu'on trouve où c'était et ça aussi, mais c'est pas grave. Je sais plus, c'est tout con, hein. C'est tout con, mais je crois qu'il y a un passage avant que tu puisses le faire. Enfin, c'est tout con. À gagner un niveau. Ok, maintenant t'es à moi. Ouf. Je peux remettre le texte. Ouais. A eu. Alors, Acta. Résistance au feu, plus 25. Résistance au choc, plus 25. Pour Acta. Tiv. Hop là. Tommy, qui a un peu faim. Bon steak de dinosaure. Et pour le texte, alors attends, c'était quel sac? C'était pas Acta ou... Ouais, c'était toi qui l'avais. Hop, envoyé par MP. Anciens êtres des profondeurs. Alternance gauche-droite. Ouais, sur le texte, ouais. Est-il? Ah, c'est la porte d'entrée que je viens de rouvrir. Et ici... D'accord, le soleil de la haine. Bah, commencer par celui-là. A priori non. Alors, ça doit faire partie des cris qu'on n'a pas trouvé alors, dans ce cas-là. Deux cases sur la colonne de gauche, une case sur la colonne de droite, une case sur la colonne de gauche. On peut essayer.
3, 2, 1, 3. Dans quel sens? On va supposer que ça, c'est 3. 3. Merci beaucoup. Je regarde ça après. Essayons dans l'autre. Un truc qui est cool avec ce jeu. On a eu le tour la dernière fois. Quand tu fais des erreurs, tu peux avoir d'autres trucs. Oh attends. Soleil. 3. Donc le soleil ce serait 1, là c'est 3. Et ici, les yeux. Ok, c'est ça. Il y a un bouton sur le mur. Ouais, déjà appuyé, c'est pour ouvrir la porte. Salut Né! Ce qui me surprend le plus, c'est la qualité des statues et des vitraux alors qu'on est dans une prison. Ouais, c'est juste pas la prison à laquelle toi et moi on irait. J'ai envie de tomber. Je veux voir ce qu'il y a en dessous. Après ce genre de prison, t'as pas besoin de garde vu les pièges et les bestioles. Les bestioles et les pièges. Les armures qu'on affronte, c'est les anciens gardiens. On est tombé sur une déclaration de serment. Les dinosaures, par contre, je sais pas ce que c'est. Alors, tenez-vous là où l'ombre des torches se croise et jetez un rocher avec toute votre force à l'est et au nord. Et ben heureusement qu'il nous reste deux cailloux, dis donc. Par contre, on n'a plus de torches.
Pas une torche cachée derrière un mur. Non. Ah, il y a trois torches. Ce qui devrait donner peut-être ça. Non, idiot. Peut pas dire que l'ombre de celle-là croise grand-chose. On va voir si c'est pas juste ces deux trucs-là. Et on devait jeter. Ouais. Ça va être... C'est un peu coton, ouais, sans le... sans les trois torches. Est et au nord. Celle-là. Après, on peut aussi faire la méthode Brutasse, hein. Mais il manque pas tout simplement une... Non, il n'y a pas quatre supports de torche. C'est déjà ça. Toi là, bon, t'es bien Jojo, mais la seule ombre que tu vas dégager, c'est celle-là, dont on s'en fiche pas mal. Et celle-là. Est puis est ou nord puis est? Est puis nord. C'est ce que j'avais fait ou pas? Je sais plus. Ici par contre, c'est ce que j'avais fait. Et on était ici, puis là. Quand même pour celle-là. Qu'est-ce que j'en ai fait de mes cailloux? Où est-ce que je les ai mis? C'est bon. C'est juste un peu décalé.
La cuirasse de valeur qui va partir. Protection plus 15. Hop là. Qui va partir chez notre Minotaure. Et on récupère la torche. Hop, et on peut laisser ça là. Checkered room, ça on l'a fait. J'ai fait tomber où mon parchemin? Apparemment pile où il fallait. Ok, c'est bon. et ça, c'était pour... Attends, pourquoi toi tu t'es... C'est bon. Timing était juste un petit peu tendu, mais ça va. Ah, c'est quoi déjà cette histoire de lubrifiant? C'est moi qui l'ai dit tout à l'heure, mais j'ai oublié. Une clé! Yeah! Attends, est-ce qu'on a fait du coup? Parce que je l'ai fait un peu au pif, le... Elle est où? Là. Cette énigme-là. Je suis vraiment pas sûr qu'on arrivait à l'endroit où on devait aller. Donc. Celle-là, c'est 3. Salut Diano, tu vas bien? Celle-là, c'est 2. Y a du loot, je préfère double checker. Fatigué. Grosse journée. Et celle-là, c'est 1. Demain soir, encore plus. Ah bah allez. Tu peux te reposer un peu demain ou pas? Dire. Au moins ce soir. Réunion de 13h30 à 18h. Ouf.
3, 2, 1, 3. Donc. Devant. Gauche. Devant, droite, gauche. Ah, intéressant. Maintenant, je peux le TP forcément ici? Donc, je suppose que je l'ai fait alors. Ok. Nickel. Ensuite, que je regarde BMP. Ouais, avec un petit dessin et tout. J'ai de la chance de vous avoir. Suppose 1, 2, 3, 1, 1, 1. Ah, j'ai du mal compter. J'ai dû très très mal compter. 2 en avant seulement au début, ok. 1, 2, hop, hop, hop. 2, 2, 2. Mal m'y prendre, je suis désolé, toi qui as fait un beau dessin. Alors, hop. On va partir de là. 1, 2, tac. Wouhou! Hop là! Ça reste là, ça. Oh, t'es pas sérieux, tu vas pas me ramener un truc du feu là maintenant? Si, va me ramener un truc du feu là maintenant. Boum! Un coup de hache. Hier, je faisais du repérage avec le metteur en scène et 5 circuits de vue sur les 9. Sacré taf à faire. Pas de magie. Les boules de feu marchent pas très bien sur les armures incendiaires. Enfin, les armures de feu. Ouh! Tu m'as remis le plan au complet. J'ai réussi à. J'ai traversé le couloir. C'est mon chef, c'est fait. Merci beaucoup. Je t'ai à peine mis la moitié du plan. Oui, mais j'ai appris à lire entre deux. Du coup, j'ai compris.
Non, je m'y prenais mal pour comprendre ce qui était écrit. Il y avait trop de conneries dans Headquarters, ça m'a rendu idiot pendant quelques temps. Je me frappe dans ma confusion. J'ai vu ton petit retour sur les Allemands sur le Discord, d'ailleurs j'étais surpris. Moi pas du tout, hein, pour être honnête, je m'attendais à pire.